Salut à tous, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne des Samout 87. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la vidéo information sur la chaîne. Je vous avais parlé que je ferais cette vidéo dans une vidéo précédente. Donc voilà, je vous la fais. Je vais essayer de faire au mieux pour que la vidéo soit assez courte et que j'ai le temps de vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne prochainement? Donc pour ceux qui n'ont pas remarqué, d'ailleurs peut-être que certains d'entre vous se posent la question, en début de vidéo, sur mes derniers glitchs, il y a l'introduction de la glitch AKFR. Alors peut-être que certains d'entre vous ne comprennent pas pourquoi il y a cette intro, peut-être qu'il y en a qui pensent que j'ai des partenariats, mais alors pas du tout. C'est juste que j'essaie de me faire upload, car j'ai un projet en fait d'atteindre la barre des 1000 abonnés avant la fin de l'année. Et je comptais éventuellement sur des chaînes communautaires, voilà, d'être upload comme ça, etc., pour m'aider à monter un peu plus vite. Donc régulièrement je fais des vidéos, je leur envoie la glitch AKFR. Et pour être upload, vous êtes dans l'obligation dans vos vidéos, donc n'importe quand, en début, à la fin, comme vous voulez, de mettre l'introduction de la glitch AKFR si vous voulez être upload. Sinon ils ne vous uploaderont pas. Donc voilà la raison pour laquelle vous avez ça en début de vidéo. De toute façon je pense pas que ça vous gêne plus que ça, mais je pense que c'était important que je vous le dise pour que vous compreniez. Voilà, donc pour l'instant j'ai pas encore été upload, donc régulièrement j'envoie des vidéos. Bon, je pense que je vais pas non plus m'acharner à faire que ça, hein. Au bout d'un moment, si je vois qu'il m'upload pas, je lâcherai l'affaire. Mais en tout cas je compte sur vous, c'est un objectif que je me suis lancé donc pour la fin de l'année, d'atteindre la barre des 1000 abonnés. Donc ça me ferait un kiff énorme. Et voilà, je voulais aussi faire, enfin je pensais faire une vidéo FAQ avant la fin de l'année. Ça aurait été une bonne manière, on va dire, de finir l'année sur la chaîne en beauté. Et pouvoir attaquer une nouvelle année sur de bonnes bases. Voilà, tout simplement. Bref, petite parenthèse faite. On va parler maintenant de ce qui va se passer dans la suite de la chaîne. Donc vous avez vu que j'ai commencé à faire les vidéos facecam sur Walking Dead. Je peux concevoir que certains ne sont pas abonnés à la chaîne par rapport à ça, mais je sais que ça en attire d'autres. Et qu'il y a beaucoup parmi vous qui adorent Walking Dead. Et donc comme c'est quelque chose que j'avais prévu de faire sur la chaîne depuis longtemps, je suis content d'avoir pu commencer à faire ce genre de vidéo. Alors j'essaye néanmoins de pas trop faire que ça, hein. Voilà, à part ces derniers temps, j'avais pas fait tout ce que je voulais faire. En plus là je suis plutôt en rodage par rapport à ça. J'essaye de nouveaux trucs, comme vous avez pu le constater. Donc n'hésitez pas également à me faire part dans les commentaires de la vidéo de comment vous aimeriez me voir faire les facecams. Si alors je vous conseille de regarder les 4 premiers épisodes, vous allez voir que j'ai fait des choses différentes à chaque fois. Donc essayez de me dire qu'est-ce qui vous correspond le mieux, qu'est-ce qui vous plaît le plus. Et je m'efforcerai de faire les prochaines vidéos sur ce ton là. Après il faut savoir qu'il y a 8 épisodes. Donc là on est au 5ème. Donc demain, j'attaque l'épisode demain sur la chaîne. Il y a 8 épisodes avant la coupure de mi-saison, qui ne reprendra après que en février. Donc après, pendant quelques mois, il n'y aura plus de vidéos sur la chaîne. Je ferai juste à la fin une petite vidéo théorie de ce que je pense qui pourrait arriver dans la fin de la saison 7. Et sinon je ne ferai pas plus, hein. De temps en temps peut-être que je reviendrai dessus. Mais voilà, c'était juste pour vous informer par rapport à Walking Dead de comment ça allait se passer. En tout cas, je tiens encore à m'excuser par rapport à la qualité, même là, hein, pour la vidéo, de la facecam, peut-être même du micro, parce que voilà, pour l'instant, je suis pas encore bien adapté avec les réglages, et j'ai pas non plus de matériel, encore une fois, comment dirais-je, j'ai pas de matériel qui pourrait me permettre, de vous proposer tout simplement des vidéos de bonne qualité. Donc je m'en excuse, mais vous inquiétez pas, je pense que d'ici la fin de l'année, j'aurais changé tout ça. Bref, ensuite, qu'est-ce qui va se passer d'autre sur la chaîne? Il y a plusieurs vidéos qui vont arriver, notamment le deuxième numéro de Je présente vos chaînes. Donc le premier numéro, c'était sur Kalash Mods, il me semble. J'avais dit que je ferais encore d'autres vidéos similaires à ça. Donc je présenterai vos chaînes. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est de ça que je parle. Donc le numéro 2 devrait pas tarder à arriver. Pour l'instant, je suis encore en train de chercher un petit peu une chaîne qui n'est pas trop connue, qui me plaît un peu, etc. C'est très difficile de trouver une chaîne aussi qu'il y a du bon contenu suffisant pour que je puisse en faire la pub. Donc n'hésitez pas également dans les commentaires de la vidéo, si vous avez envie que je parle de votre chaîne, envoyez-moi le lien. Je vous promets rien, mais je vous promets en tout cas d'aller regarder, et qui sait, peut-être vous serez le prochain élu. Voilà,
top 5 également. Des top 5 vont arriver sur la chaîne. Donc il y aura des top 5 qui seront affiliés à Black Ops 3 ou à Black Ops 2, à Black Ops 5, etc. Donc je ferai régulièrement des top 5 sur qu'est-ce qui me plaît. Par exemple, le top 5 de mes cartes préférées, le top 5 de mes armes préférées, de mes personnages préférés. Il y aura aussi des top 5 de ce que j'ai pas aimé, hein. Ça peut être les maps que j'ai pas aimé, les armes que j'aime pas, etc., etc. Le top 5 des trucs qui cassent les couilles en zombie ou en multi. Enfin, j'ai plein d'idées dans la tête. Il y aura également un top 5 de mes coups de cœur sur YouTube. Donc j'en ai un en tête, il y en aura plusieurs, hein, vous inquiétez pas. Il y en aura un spécial fille, un spécial garçon, un spécial glitcher, un spécial sur toutes les personnes qui traitent de Walking Dead. Enfin qui traitent de Walking Dead, qui parlent de Walking Dead. Donc j'ai déjà pas mal de choses en tête. Donc il y aura pas mal de choses qui vont arriver sur la chaîne, qui sont prévues. Il y aura également un nouveau concept de vidéo qui va s'intituler Sam Vénère. Alors, excusez-moi parce que j'essaie de regarder la caméra, mais je sais pas si vous me voyez dans les yeux. Je te regarde, toi. Tu as un très beau canapé chez toi. Ta déco est très intéressante. Non, je déconne. Bref, il y aura donc un concept de nouvelle vidéo qui va s'appeler Sam Vénère. Alors, pourquoi Sam Vénère? Parce que je m'appelle Sam et que ça m'énerve. Hein, voilà, donc Sam Vénère, hein, comme disent les jeunes adolescents d'aujourd'hui. Toi, peut-être, tu dis ça. Les Jones, comme on dit. Bref, trêve de galéjade. Donc, ça me vénère. Alors, j'ai parlé de quoi? Alors, j'ai trois numéros en tête. Le premier va traiter de Black Ops 3. Je tiens à parler de Black Ops 3 parce que même si c'est un bon jeu, voilà, ça reste un bon jeu. Il y a quand même beaucoup de choses que je trouve complètement incompréhensibles. Alors, je vais parler bien sûr de la old gen et aussi de la next gen. La old gen, pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la old gen et parce que je vous ai dit que je ne lâchais pas les old gen malgré le fait que je sois moi-même passé sur la one. J'ai toujours dit et je le dis, je le répète, je ne lâcherai jamais ceux qui sont restés bloqués sur old gen. Et je pense que c'est d'ailleurs quelque chose qui plaît beaucoup aux gens qui sont abonnés à ma chaîne depuis le début, parce que je n'oublie pas non plus que la majeure partie de mes abonnés, je les ai gagnés grâce à tous ceux qui sont sur old gen. Donc c'est une des raisons pour laquelle ça me pousse à continuer à vous défendre en quelque sorte et à continuer à vous proposer du contenu pour vous qui sont encore bloqués sur old gen. Voilà, le deuxième numéro qui risque d'ailleurs de m'attirer pas mal de dislikes et peut-être de petits rageux, étant donné que je vais parler de quelqu'un que certains aiment et d'autres aiment moins mais n'osent pas en parler. Voilà, il s'agit de ZRK. Vous avez compris que de toute façon, pour ceux qui me suivent, que je ne suis pas forcément adepte de ce mec là Donc je vais en parler également, et je vais également parler d'un mec qui pour moi pollue un petit peu YouTube, et il s'agit de The Kairi. Waouh, là attention, c'est tu vois, là je te parle d'un level, tu vois, au-dessus il n'y a rien, c'est le soleil, tu vois ce que je veux te dire. Bref, bien évidemment il ne s'agira pas d'insulter ces personnes là, il ne s'agira pas d'aller voilà, dans l'injure gratuite, etc. Mais je vais essayer d'en parler, de parler des choses. Ces gars-là ou ces choses-là, vu que j'ai aussi parlé de Black Ops 3, de pourquoi ça m'énerve tout simplement. Et je vais essayer de le faire dans un temps plutôt humoristique plutôt que sarcastique, etc., ou plutôt insultant. Ce n'est pas du tout le but de ces vidéos-là. Bref, je pense avoir tout dit. Alors les amis, n'oubliez pas que j'ai cet objectif d'atteindre la barre des 1000 abonnés avant la fin de l'année. Je compte énormément sur vous pour ça. N'hésitez pas à parler vraiment de la chaîne autour de vous. N'hésitez pas à mettre des likes, de vous abonner également pour ceux qui ne le sont pas encore. Et voilà, c'est votre objectif, c'est votre mission. Vous êtes en mission jusqu'à janvier, début janvier, attention. Bref, faites ce que vous pouvez. En tout cas, moi je vous remercie à tous d'être abonnés à la chaîne. Je remercie à toutes les personnes donc qui me soutiennent. En tout cas, voilà, ça c'est fait. N'hésitez pas à vous abonner donc à la chaîne si elle vous plaît, à vous abonner aux vidéos si elles vous plaisent également, par la max de la chaîne autour de vous, je le dis et je le répète. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt les amis. Big up.